Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Sarah Jeanne et je suis bénévole à la Fondation d'enfants Grande École du Canada. Je suis très heureuse d'avoir l'occasion de modérer le webinaire de ce soir. Donc, vous allez en apprendre davantage sur nos conférenciers invités. On a Sydney Harris-Jones et Alexandre Jolicoeur avec nous ce soir. Donc, je voudrais commencer par souhaiter la bienvenue à tous les participants à la série d'éducation pour les jeunes. Puis, je vais vous faire un petit descriptif du programme d'aujourd'hui. Donc, en fait, le webinaire de formation d'aujourd'hui intitulé « Saine alimentation et maladies de crâne ou colite » est organisé par Crâne et Colite Canada grâce aux subventions ABI. En lien vers l'enregistrement du webinaire de ce soir, dans le fond, il vous sera envoyé par courriel le lien en fait pour voir la consultation une autre journée. Pour les nouveaux participants au webinaire qui ne sont pas habitués de travailler avec ça, je vais rapidement passer en revue la logistique et la manière dont vous pourrez procéder pour poser des questions. Donc, pour le moment, tous les participants sont automatiquement mis en sourdine afin que tout le monde puisse entendre la présentation et que nous puissions enregistrer cet enregistrement de webinaire sans interférence audio. Si vous souhaitez poser des questions à tout moment du webinaire, vous pouvez le saisir dans la boîte de dialogue qui est dans le bas de votre écran à droite, si je ne me trompe pas. Il vous suffit, dans le fond, de vous regarder du côté droit de votre écran, puis vous allez avoir un champ de questions. Je vais juste vous donner accès. Je vais juste voir si je peux vous donner accès, dans le fond, à la boîte de questions. Sera pas bien long. Je vais juste voir. Bon, on va changer comme ça. Merci. Voyez-vous, dans le fond, comment poser des questions? Là, vous avez l'outil à l'écran présentement. Vous faites juste taper la question, puis à la fin, dans le fond, des deux présentations, on va pouvoir y répondre. Tout au long du webinaire, dans le fond, saisissez vos questions dans le bas, puis par la suite, dépendamment, ça se peut qu'on réponde à votre question au courant du webinaire. Sinon, ben, on va y répondre plus tard, puis on va essayer de répondre au plus de questions possibles. Si vous avez toujours des difficultés techniques, vous pouvez toujours taper dans la boîte de discussion, puis on va vous répondre pour regarder avec vous qu'est-ce qui fonctionne pas. Si vous avez de la difficulté à entendre les haut-parleurs, ça se peut que ce soit les paramètres audio de votre ordinateur qui font défaut. Donc, essayez d'appeler avec le numéro de téléphone fourni à l'aide de soit votre téléphone fixe ou bien de votre cellulaire. Donc, on va être prêt à commencer. Fait qu'on va commencer avec un petit peu d'histoire de Crâne et Colite Canada. Donc, en fait, la fondation a été créée en 1974 par un groupe de parents d'enfants atteints de la maladie de Crâne et de la colite ulcéreuse. Donc, nous sommes un organisme de bienfaisance nationale avec plus de 65 000 sympathisants et 80 groupes et chapitres de bénévoles à travers le pays. Donc, nous, notre promesse, c'est de trouver un traitement curatif contre la maladie de Crâne et la colite ulcéreuse. Et notre but, en fait, c'est d'améliorer la vie des enfants et des adultes touchés par cette maladie. Nous voulons que le grand public soit au courant des maladies chroniques et des conséquences qu'elles ont sur près d'un quart de million de Canadiens atteints de la maladie, soit la maladie de Crâne ou colite ulcéreuse. Donc, à ce jour, Crâne et Colite Canada ont consacré plus de 115 millions de dollars à la recherche. Cela fait de nous l'un des plus importants batailleurs de fonds, dans le fond, dans la recherche sur crâne et colite au monde. Le webinaire d'aujourd'hui fait partie de notre série d'éducation des jeunes et de nos programmes d'éducation des patients. Parmi les autres programmes d'éducation des patients, on peut citer la série des séminaires en ligne sur l'éducation de la CCC, Ask Live Expert, Facebook Live Events et d'autres ressources pédagogiques disponibles sur le site web de Crâne et Colite Canada. Parmi les autres programmes figurent le programme de plaidoyer Go Hear Bathroom, le programme de soutien par les pairs de TI et le programme de bourse ABI IBD. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez toujours consulter le site web de crâneetcolite.ca/sport4you. Ou bien envoyer un courriel à learn@commercial crâne et crâneandcolitis.ca.
Vous allez voir, le courriel va être mis à la fin du live de ce soir. Donc, nous allons commencer, dans le fond, avec l'introduction des deux conférenciers de ce soir. Donc, la première qui va parler plus tard, c'est Sydney Harris-Jones. Donc, Sydney a complété son baccalauréat en sciences de la nutrition humaine à l'Université du Manitoba en 2009 et son stage en diététique dans le cadre du programme de stage en diététique de l'Hôpital d'Ottawa en 2010. Elle a travaillé au Centre canadien de recherche agroalimentaire sur la santé et la médecine du Centre de recherche de l'Hôpital Saint-Boniface, ainsi qu'au Centre Richardson pour les aliments fonctionnels et nutraceutiques à Winnipeg. Sydney se joint à l'équipe de gastroentérologie du CHEO en 2015 après avoir travaillé dans plusieurs autres domaines cliniques du CHEO, notamment l'hématologie, l'oncologie, le déficit immunitaire et la médecine générale. Puis par la suite, nous avons Alexandre Jolicoeur, qui est un étudiant en neurosciences à l'Université de Montréal. Lui termine ses études cette année. Alexandre a été diagnostiqué avec la maladie de Crohn à l'âge de 7 ans, donc il y a environ 14 ans de ça. Alexandre a été opéré à l'âge de 12 ans, puis lui est un boursier IBD. Donc, nous allons pouvoir commencer. En fond, je vais céder la parole à Sydney. C'est elle qui va commencer comme conférencière de ce soir. Alors, merci beaucoup, Sarah Jane, et merci de toutes les personnes qui sont ici pour mon présentation. Je suis une diététicienne et je travaille, comme Sarah Jane a dit, à le Centre hospitalier de l'Est ontarien. Et mon rôle ici, c'est pour faire l'éducation, qu'est-ce que c'est les choses nutritionnelles qui sont importantes après un diagnostic de les maladies intestinales inflammatoires. Juste un moment. OK. Alors, mon objectif ce soir, c'est pour expliquer les effets des MII sur le statut nutritionnel, aussi les aspects nutritionnels du traitement. Est-ce qu'il y a les régimes spécifiques qui sont nécessaires après les diagnostics? Et aussi, est-ce qu'il y a les suppléments qui sont nécessaires? Et la dernière chose, c'est est-ce qu'il y a la recherche qui est émergente avec cette maladie qui est importante pour connaître? Alors, premièrement, c'est juste une revue des maladies. Il y a les deux sous-types. Il y a la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Et il y a une photo avec le système digestif. Alors, avec la maladie de Crohn, ça peut survenir n'importe où, de la bouche à l'anus, et peut avoir plusieurs zones d'inflammation. Il y a les lésions et le dommage tissulaire plus profond. La cause, peut-être il y a une prédisposition génétique et potentiellement certains risques liés à l'environnement et aussi le dommage au tractus intestinal pouvant déclencher une maladie. C'est il y a l'inflammation chronique et activation immunitaire. Et aussi l'autre, c'est la colite ulcéreuse. Ça se trouve principalement dans le gros intestin. Et aussi, il y a l'inflammation discontinuée. Ce n'est pas une chose qui est les zones d'inflammation. Alors, quand j'ai dit, nous ne savons pas la raison que les personnes ont les maladies, mais l'alimentation ne provoque pas les maladies. Alors, ça, c'est une question que j'ai beaucoup, mais l'alimentation ne cause pas les maladies inflammatoires intestinales. Cet dispositif, c'est juste pour expliquer qu'est-ce que c'est les signes et les symptômes qui se passent souvent avec les deux maladies. Alors, avec la colite ulcéreuse, c'est très souvent que les patients ont perdu du poids et quelquefois c'est sévère. Et ça, c'est une chose qui se passe très souvent parce qu'il y a beaucoup de douleurs et aussi il y a le saignement rectal qui se passe. Alors, potentiellement, les patients font les diètes restrictives ou son appétit diminué. Et avec du Crohn, il y a beaucoup de douleurs abdominales qui se passent et aussi beaucoup de diarrhée. Alors, qu'est-ce que c'est les effets de la maladie de Crohn et de colite ulcéreuse sur l'état nutritionnel? Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et c'est individuel.
c'est cas en cas à les personnes. Alors, peut-être il y a une perte d'appétit à cause de la douleur, l'augmentation du nombre de les récepteurs de la douleur en circulation à la maladie. Il y a la fréquence de celle aussi. Les personnes perdent de poids aussi parce que son appétit s'est diminué. Peut-être il y a les fièvres, la circulation d'hormones qui suppriment l'appétit. Il y a la diarrhée et aussi toutes les choses vont contribuer de la maladie. Déshydratation, ça c'est lié à la diarrhée, apport hydrique insuffisant. Et si chez l'enfant en croissance, la perte de poids peut être à long terme et provoquer un retard de croissance. Aussi, il y a la carence de vitamines et minéraux qui est souvent la vitamine D, vitamine B12, le fer et le calcium sont communs. Avec quelques traitements ou peut-être si la personne ne mange pas bien, il y a une perte de densité osseuse ou une maladie osseuse. Et les autres choses qui est écrites dans mon diapositive. Et la vitamine D est impliquée dans l'immunité et l'apport alimentaire. Le rempli souvent par les critères d'âge. Les hivers canadiens sont longs. L'accès à la lumière du soleil pour fabriquer de la vitamine D ne suffit pas. Les gens peuvent limiter les produits laitiers en raison d'inquiétudes liées à une possibilité d'intolérance à lactose. Et si une personne a une maladie qui est obstructive ou rétrécissante, le passage des aliments solides est difficile. Alors souvent, les patients commencent à restreindre les aliments en raison des symptômes, en particulier lorsqu'ils ont les nombreux sels à cours d'une journée ou que si les symptômes sont graves, il en résulte un régime très restrictif. Alors, qu'est-ce que c'est le rôle de la nutrition dans les maladies de Crohn et de la colite ulcéreuse? C'est pour obtenir un apport énergétique suivant chez les patients. C'est pour identifier les aliments qui déclenchent peut-être. Éduquer sur le rôle des aliments dans la santé et la guérison, suggérer une supplémentation en vitamines minérales spécifiques pour remédier cette chose, et promouvoir un régime hypercalorique riche et en protéines pour prise de poids. Aussi, initier une thérapie nutritionnelle thérapeutique exclusive pour les nouvelles patients qui ont une maladie de Crohn. Ça, c'est spécifique pour la maladie de Crohn. Et aussi conseiller sur les prévus pièges concernant les régimes spécifiques. Alors, rien que ne prouve que les personnes diagnostiquées avec un MII ont besoin d'une diète plus de calories ou les autres à le même âge. Il existe certains prévus que pendant les périodes de maladie active, les personnes atteintes de MII ont besoin de 25% plus de protéines supplémentaires pour aider à la guérison et au traitement de toute inflammation ou une blessure. S'il y a perte de poids, ils font donc un supplément de calories ou protéines, ou les deux. Alors, avec la nutrition avec la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse, des études sur les enfants ont révélé qu'il n'est pas nécessaire, quand j'ai dit, d'augmenter les calories ou protéines, mais il y a les certains cas qui c'est une exception. Si une perte de poids s'est survenue, c'est nécessaire d'ajouter l'énergie, calories et des protéines développées pour la masse musculaire et à guérir les zones d'endommage du tract intestinal. La protéine supplémentaire, c'est nécessaire en période de maladie active. Okay? Alors, dans mon mes autres informations, j'avais l'information avec qu'est-ce que c'est les sources de protéines et aussi de les calories. Les stéroïdes sont importants dans le traitement de MII, mais ils peuvent ralentir la croissance et affecter les os. Alors, c'est besoin de typiques en calories et protéines dépendant en âge. So, pour moi, mon rôle en diététiste, c'est essentiel pour aider à identifier les objectifs et aider les patients vers qu'est-ce que c'est les choses nutritionnelles qu'ils doivent faire. Alors ici, ça c'est une table avec les aliments qui sont une bonne source de protéines. Qu'est-ce que c'est les potions? Il y a les choses animales et aussi les choses qui sont légumes aussi. Alors,
Le tofu, ça prend 21 grammes de protéines par 175 millilitres. Ou si la viande, poisson ou quelques autres choses comme ça, c'est aussi 2,5 onces ou une demi-tasse. Ici, j'avais l'information, les exemples. Qu'est-ce que c'est les façons pour augmenter les calories ou le protéine? Il y a, ça, c'est pas une liste qui est complète, mais ça, c'est les exemples pour les choses à augmenter les calories. Alors, du yogourt qui contient plusieurs de 2% avec du granola, les fruits séchés, un bagel avec du fromage ou la crème ou le fromage fondu, ça, c'est une bonne source aussi. Les personnes peuvent prendre ça par une collation ou faire un petit repas avec les exemples ici ou les autres, mais c'est nécessaire pour faire les choses qui plus en calories et protéines si une personne perd du poids. OK. Alors, y a-t-il les aliments déclencheurs ou les aliments à éviter? Ça, c'est une question que j'ai posée très souvent dans mon clinique. Alors, il y a beaucoup de recherches qui existent en ligne. Quelquefois, c'est difficile pour assurer qu'est-ce que c'est les choses qui sont bonnes, qu'est-ce que c'est les choses qui est pas bon pour la santé. Alors, il n'y a pas un type d'aliment standard qui cause les problèmes à tout, qui a une maladie active. C'est très individuel. Certains aliments peuvent perturber le tractus gastro-intestinal s'ils provoquent les symptômes, mais c'est spécifique. Alors, la chose qui se passe très souvent, les femmes, c'est lactose. Uniquement, si le sucre du lait provoque les symptômes persistants, c'est nécessaire de diminuer les portions, la quantité de lactose tolérée par portion à moins de 6 grammes de lactose par portion. Mais une personne peut manger ou boire quelque chose qui contient du lactose souvent par le jour. Les fibres. Il n'est pas nécessaire de restreindre les fibres, sauf il y a un problème de restriction ou un risque de blocage. Alors, si ça c'est la raison, un médecin va dire que c'est nécessaire pour diminuer ou faire descendre les fibres, c'est pas nécessaire pour toutes les personnes. L'autre question que j'ai beaucoup dans mon clinique, c'est gluten. C'est pas besoin d'éviter. Peut-être certaines personnes peuvent présenter des symptômes de douleur abdominale et ça peut être un signe d'une autre chose, c'est CI. Et s'ils peuvent bénéficier d'un régime faible en FODMAP, ça c'est différent que les maladies d'inflammatoire intestinal, ça c'est une chose différente. Alors, si c'est une chose que c'est nécessaire pour éviter, l'éducation avec une diététicienne, c'est essentiel parce que j'ai information, mais c'est très restrictif. Sur les stéroïdes, les aliments riches en sucre peuvent augmenter la glycémie. Alors, ça tandis que les aliments riches peuvent faire augmenter la pression artérielle, garder les en minimum. C'est important d'avoir un rapport en protéines, en vitamine D et en calcium. Et aussi, les produits laitiers fournissent une bonne énergie et bonne protéines et contiennent également du calcium et vitamine D. C'est essentiel de la santé. Et quand j'ai dit le FODMAP, à discuter plus tard. OK? OK, les autres questions que j'ai, c'est les sucres concentrés. Alors, ça, c'est une chose peut-être présente dans les jus de fruits, les sodas, les bonbons, les gelées, mais ça peut aggraver la diarrhée et provoquer les crampes abdominales en période de la maladie. Les gros repas peut-être peuvent être difficiles à tolérer quand il y a la maladie qui est active. Alors, essayez plutôt petits repas par jour. C'est plus facile de préparer 5 à 6 petits repas si vous êtes fatigué ou allez souvent aux toilettes. Bon pour ceux qui ont un petit appétit. OK? Aussi, le reflux est présent, la réduction des aliments acides, les boissons gazeuses, des gras, du chocolat, du caféine, c'est utile. Et aussi, il y a les aliments gras peuvent être difficiles à tolérer pour certaines personnes pendant la maladie active. Alors, il y a des choses qui peut-être vont causer les symptômes, mais c'est individuel.
OK. So, alors, les approches diététiques spécifiques, quelles sont les plus vues? Alors, ça, c'est une diète qui est très populaire. C'est une approche qui est d'origine, qui a été développée par un médecin, Dr. Sidney Haas, en relation à moi. Le concept selon lequel les molécules de sucre plus complexes sont mal absorbées dans le tractus gastro-intestinal et entraînent et déséquilibre entre les bons microbiotes et une production accrue des champignons et mucus. Alors, le microbiote fait référence à la population des bactéries qui vit dans le tractus gastro-intestinal. Les bactéries bénéfiques et non favorables vivant dans le tractus gastro-intestinal et la prolifération des bactéries négatives peut être évitée. Si le patient ne consomme pas les produits céréales et ne compose pas les calories avec les aliments riches en protéines, le patient risque de perdre le poids ou d'avoir souvent faim. Et avec cette diète, c'est très restrictif parce qu'il n'y a pas les produits laitiers, sauf le fromage dur et aussi le yogourt qui est fait à la maison. Et les seuls glucides qui sont autorisés sont le glucose, fructose et lactose. Et les personnes qui avaient la maladie de Crohn et de colite ulcéreuse sont déjà à risque de vitamine D, les carences de vitamine D. Alors, cette approche pourrait accroître les risques, en particulier pour les maladies osseuses. So, la recherche scientifique démontrait les avantages de cette approche sur la maladie de Crohn et de la colite, mais des études mieux connues sont nécessaires pour démontrer pleinement les avantages. Excuse-moi. OK. Alors, la thérapie nutritionnelle exclusive, cette approche, c'est utilisée seulement pour la maladie de Crohn comme un traitement initial pour les personnes qui ont la maladie active. C'est aussi efficace que la cortothérapie pour induire la rémission chez les patients qui atteignent la maladie. Alors, les études de recherche ont montré une efficacité. Efficacité allant jusqu'à 80 à 90 % dans l'induction de la rémission de chez patients atteints de la maladie de Crohn. Et aussi, avec ce programme, c'est l'utilisation d'une boisson nutritionnelle complète comme la seule source d'alimentation pendant 6 à 8 semaines. Alors, c'est long et c'est pas besoin d'avoir une boisson nutritionnelle allergique. Hypoallergénique, sauf en cas d'allergie. Alors, c'est une boisson nutritionnelle qui est complète et la personne boit ça seulement pour 6 à 8 semaines. Alors, le traitement peut être effectué par voie orale ou par tube nasogastrique et le liquide clair autorisé pendant cette période. So, alors, cette chose, c'est initié aussi, c'est supervisé avec le soin par le médecin et une diététicienne. Et plusieurs produits nutritionnels commerciaux sont disponibles. Il y a le OHIP et aussi REMQ dans Ontario et Québec pour aider à couvrir le coût des produits et l'équipement de la formule. OK. L'approche, excuse-moi, le régime faible en FODMAP. On pense que les sucres fermentescibles sont mal absorbés. C'est ce qui provoque les douleurs, les crampes et les diarrhées. Certaines personnes atteintes de MII ont également du syndrome de colon irritable qui ne soit la cause par les lésions intestinales, mais les symptômes indésirables du tractus gastro-intestinal qui peuvent limiter de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse. Alors, c'est un différent diagnostic, ce n'est pas la maladie inflammatoire, mais c'est une chose qui a des symptômes qui sont similaires. Alors, certains produits céréales sont à éviter, la plupart des légumineuses, ainsi certains fruits, légumes, il y a des restrictions lactose aussi qui sont nécessaires. Mais avec cette diète, ça peut causer les carences en folate, calcium, vitamine D6, thiamine. Et ce régime, c'est maintenu à long terme, c'est difficile. C'est très restrictif. Et aussi, ça peut favoriser la croissance des bactéries défavorables et provoquer le déséquilibre du microbiote dans l'intestin.
Alors, avec ça, il y a le prévu, mais c'est imposition que le régime à faible enflammement produit inflammation. OK, il y a notre dire ici, c'est IBD-AID. C'est similaire de l'autre, le régime glucide spécifique, mais l'objectif, c'est d'aider à réduire l'inflammation dans le corps et à promouvoir les bonnes bactéries dans le tractus gastro-intestinal. OK, le supplément. Vitamine D, c'est très important pour les personnes qui ont la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse. Et c'est important pour les os et aussi pour le système immunitaire. Alors, c'est une chose que j'ai fait en répétition, mais c'est tellement important. Le fer, la raison des dommages intestinaux pour les filles qui ont la règle ou aussi pour les végétariens et véganes. Le fer, c'est très important pour la formation des cellules. Et aussi pour le cellule du sang. Calcium pour les personnes qui atteignent la maladie osseuse, si les personnes qui consomment par les produits laitiers ou les substituts. L'acide folique, c'est les personnes qui apprennent le médicament methotrexate. Les multivitamines complètes, c'est aussi nécessaire. Et le probiotique, il n'y a pas un prévu qui permet de recommander cette chose. Alors, ce n'est pas une chose qui est recommandée pour toutes les personnes qui sont les maladies. Oméga 3, les suppléments ne présentent aucune prévue permettant de réduire l'inflammation. C'est bon pour manger les choses qui contiennent oméga 3 dans les aliments. Donc, qu'est-ce que c'est les nouvelles données nutritionnelles? Il y a les différentes choses qui, les différentes, l'information qui est présente avec la recherche. Un, c'est si une personne mange beaucoup de soufre dans le diète, peut-être que ça c'est un risque avec l'inflammation. Mais les études sont encore pour examiner le risque. Ça c'est les aliments qui contiennent comme la viande rouge, les produits laitiers, la viande en conserve, les œufs de pain, les autres choses comme auto-transformées. Ça c'est peut-être aussi les choses plus peut causer les symptômes ou un risque d'une maladie, mais ça, c'est une chose qui est plusieurs recherches. Les gras spécifiques. Certaines études menées chez les patients qui atteignent de la MEI montrent les gras hydrogénés, comme de l'huile de pomme, de palmiste, de noix de coco, les huiles hydrogénées pour augmenter la pression de la maladie. Ça, c'est les exemples dans un biscuit préparé commercialement, les choses dans la boulangerie, les choses qui contiennent le gras d'animal. Et aussi, les oméga 3 peuvent aider avec la réduction d'inflammation. Et souvent, les diètes qui contiennent beaucoup d'oméga 6, ça c'est un autre gras, favorisant l'inflammation. Alors, les choses qui sont riches en oméga 3, c'est le saumon, le truite, l'huile de cannelle, les graines de lin moulées et aussi le grain de chia, par exemple. Excuse-moi, juste un moment. OK, excuse-moi. OK, mon dernier. Alors, en résumé, aucune restriction de la consommation des fibres, les fruits, les légumes au moment du diagnostic de la maladie, sauf en cas de blocage qui est intestinal. Les suppléments de vitamine D et de multivitamines complètes sont nécessaires. Les autres suppléments requis sont basés sur les analyses de sang ou s'il y a une diète qui est restrictive et ça, c'est en cas individuel. Aucun régime spécifique n'est requis. Chaque individu et les aliments peuvent déclencher les symptômes gastro-intestinaux. Certaines approches diététiques sont prometteuses, mais aucune n'est proposée en tant que projet de thérapie nutritionnelle exclusive qui aide à induire une remission de la maladie chez les personnes. Et plus de gras oméga 3 est moins que le gras oméga 6, c'est bénéfique. Mais moins de les produits auto-transformés est aussi bénéfique. Alors, le diététicien qui est une personne qui est très cruciale dans l'équipe, et si
vous avez un choix ou vous avez le temps pour un diététicien, c'est très, très informatif et aussi l'éducation sont bien. Alors, merci beaucoup à toutes les personnes pour attendre mon présentation et je pense que j'ai fini et c'est temps pour Alexandre. Merci. Ok, bon, j'ai accès à la souris. On va voir si... Ok. Parfait. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Alexandre Gilcoeur. Voici un ordre rapide de ma présentation. Donc, je tiens à dire que ma présentation est très, très personnelle. Donc, aujourd'hui, je viens présenter un petit peu mon histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme on a dit tantôt, j'ai développé la maladie de Crohn, donc pas la colite ulcéreuse, la maladie de Crohn à 7 ans. Donc, j'ai passé au travers de toute mon éducation avec cette maladie. Donc, j'ai essayé de mentionner tous les points importants qui me venaient en tête dans la présentation. Il y a peut-être des fois que ça va se répéter. S'il y a des choses qui se répètent, ben c'est peut-être des choses qui ont été plus importantes pour moi ou quoi que ce soit. Je tiens à dire que c'est très personnel et comme il a été mentionné déjà plusieurs fois, chacune des personnes est différente. Je vais y revenir dans la présentation. Vous pouvez garder ça en tête. Donc, une présentation rapide. Donc, comme on a dit tantôt, je suis un étudiant en baccalauréat en neurosciences à l'Université de Montréal. J'ai eu le diagnostic à 7 ans et actuellement, je suis traité avec Humira. Ça, c'est moi ici. Donc, on va y aller. On va faire une petite ligne du temps de qu'est-ce qui s'est passé depuis mon diagnostic. Mon diagnostic à 7 ans, je viens d'une famille avec deux parents et quatre enfants. Donc, vous pouvez me voir ici quand j'avais 7 ans, mon deuxième. J'ai été diagnostiqué à l'hôpital Sainte-Justine. Lors de mon diagnostic, c'était un petit peu confus. Je dois dire que, je le rappelle, j'avais 7 ans, donc c'était pas moi qui prenais les décisions majeures. Mais je me rappelle que c'était assez confus, surtout pour mes parents. C'est assez dur. J'ai des parents exceptionnels qui m'ont vraiment beaucoup aidé au courant de l'évolution de la maladie, vraiment toujours. Puis c'est très dur pour un parent, j'en suis très conscient, même si j'étais très jeune, d'avoir un enfant qui a le diagnostic. Puis eux autres, ils n'ont pas nécessairement eu les informations peut-être qui étaient nécessaires dans le temps. Ça fait aussi 14 ans, donc espérons que ça va toujours vers le mieux. N'ayez pas peur d'aller chercher des informations. Nous, on en a eu peu. Il y a eu le traitement qu'on a commencé avec, qui était avec des corticostéroïdes, donc de la cortisone. C'était pas le meilleur traitement selon nous que j'ai commencé avec. La maladie n'était pas sous contrôle. Donc, évidemment, lorsqu'on est sous cortisone, on est assez sous contrôle. C'est assez puissant, mais ça vient avec beaucoup d'effets secondaires. Et donc, après 2 ans, on a décidé de changer de médecin. Par hasard, mon père connaissait quelqu'un qui connaissait un autre médecin. Et donc, on a décidé de changer de médecin puisqu'il ne nous convenait pas. La communication avec le médecin est très importante. Et même si ce n'était pas moi qui prenais les décisions, mes parents ont été assez vite là-dessus. C'est correct de questionner et aussi d'écouter absolument toujours les professionnels de la santé, mais si ce n'est pas nécessairement un traitement qui est adapté à vous, quoi que ce soit, vous pouvez aussi très bien aller chercher d'autres informations ailleurs et, si possible, prendre des changements qui, à la base, semblaient assez drastiques, changer de médecin après 2 ans, mais qui finalement étaient très bénéfiques. L'évolution de la maladie au primaire, c'était une maladie qui n'était toujours pas contrôlée. J'ai eu un effet sur ma grandeur, on en a parlé tantôt. Donc, en ce moment, je mesure 5 pieds 3 et j'ai 21 ans. Donc, je suis quand même pas dans la très basse moyenne des hommes. Donc, ça, je vais en parler. Il y a eu des répercussions, je vais en parler un petit peu plus tard. J'ai essayé des nouveaux traitements. Donc, j'ai arrêté la cortisone après 6 mois, si je ne me trompe pas. Je pense que j'étais sur purinétol, mais... je ne suis plus très sûr, vu que j'étais assez jeune. Et malgré ça, je suis arrivé à 12 ans, on a essayé un nouveau traitement. Donc, après en avoir essayé plusieurs, on est allé avec un traitement un petit peu plus fort, qui coûte un petit peu plus cher. Puis, pour que le gouvernement couvre ce traitement-là, il faut en avoir essayé d'autres avant. Donc, après, je pense que ça faisait 5-6 ans, j'ai essayé un traitement qui est un anti-TNF-alpha, sans nommer le médicament, et j'ai eu un effet secondaire, donc ça l'a fait une sténose. C'est très rare, mais malheureusement, donc une sténose, c'est un épaississement de la paroi intestinale, et donc j'ai dû me faire retirer un 20 cm d'intestin à 12 ans, ce qui était quand même une grosse étape.
Et là, comme toute maladie auto-immune, même si on enlève le bout de la maladie qui était présent, ça peut toujours revenir. Et donc, à 12 ans, j'étais en sixième année du primaire et ensuite, on entrait au secondaire. Je suis quelqu'un qui est très stressé. Ça aussi, ça va revenir très souvent dans la présentation. Étant très stressé, la rentrée au secondaire a été une nouveauté pour moi. Extrêmement stressante, la charge de travail était plus grande, puis je dois dire que je me mets beaucoup de choses sur les épaules encore aujourd'hui. Je suis un petit peu plus, c'est un petit peu plus respectable comme niveau de tâches que je me donne, mais quand je suis rentré, j'avais fait le conseil étudiant, j'avais fait les portes ouvertes, il y avait plus de charge de travail, donc j'étais très stressé et ça a fait une rechute qui bizarrement a atteint mon œsophage. Donc, quand on disait tantôt que ça peut atteindre toutes les parties, encore une fois, c'est assez rare. Ça a été traité très rapidement, ça a été pris en main, il n'y a pas de problème. Mais il faut prendre en compte que le stress est quelque chose d'important dans la maladie de Crohn, c'est très, très lié. Et donc, après cette rechute-là, on a traité ça avec de la cortisone encore, ça a bien été traité. Mais j'ai fait une autre rechute vraiment au niveau de l'intestin par la suite. Et donc, on a décidé de recommencer avec des médicaments, puisqu'on avait arrêté après l'opération. Et j'ai commencé le Humira à 14 ans. Et c'est le médicament que je suis toujours aujourd'hui. Donc, après 7 ans que j'avais la maladie, qu'on essaye des trucs, que ça ne marche pas, quand j'étais jeune, j'étais d'ailleurs un cas assez spécial à ce qui paraît, selon les dires de mon médecin à l'époque, qui était incroyable d'ailleurs. Elle m'avait. Donc, j'étais un cas spécial puisque mon poids était normal, mais pas ma grandeur. Donc, c'était assez bizarre, mais avec le Humira, quand c'est arrivé à 14 ans, là, j'ai commencé à vraiment mieux aller. Et encore aujourd'hui, je suis en rémission artificielle, on peut dire. Je ne peux pas arrêter de le prendre, mais avec le Humira, ça marche très bien. Le stress du secondaire a été quand même sous contrôle. Donc, j'ai eu très peu d'épisodes de la maladie, sinon pas du tout. Les défis qui sont amenés qu'il y a eu avec la maladie au secondaire, c'est surtout l'apprentissage de la gestion du stress. Puis j'ai eu un apprentissage de la gestion du stress qui est nécessaire, je crois, pour tout le monde, étant quelqu'un de très stressé à la base. Et ça a été bénéfique au final parce que maintenant, je suis beaucoup moins stressé malgré que j'étais bien traité, le stress pouvait quand même me donner des maux de ventre ou quoi que ce soit. Puis, juste en relativisant et en essayant de travailler sur moi-même, d'essayer de mettre moins d'importance, moins de pression sur mes épaules, j'ai réussi à gérer ce stress-là avec. Donc, au final, je peux dire que ça m'a appris quelque chose de bénéfique. Mais c'est sûr que c'est un défi qu'on ne s'attend pas nécessairement, qu'on ne pense pas quand on a le diagnostic. Puis c'est surtout qu'il faut le gérer quand ça arrive. Donc, quand le stress est arrivé, quand ça a commencé à devenir vraiment dommageable, ben j'ai essayé de trouver des solutions pour le gérer. Puis c'est pas mal ça, vivre avec la maladie. Puis pour vrai, c'est pas. Bien évidemment, je ne suis pas le cas qui était le pire au monde non plus. Il y a des personnes qui sont pires que moi, il y a des personnes qui sont moins pires que moi. C'est encore une fois très personnel, mais le défi, c'est vraiment d'essayer de gérer les problématiques quand elles arrivent et essayer de réagir. En essayant le moins possible de paniquer, puis d'essayer de vivre avec. Puis sinon, la deuxième gestion, qui est comme. Je trouvais ça important de le mentionner quand même, mais j'ai parlé de ma grandeur tantôt. Rendu au secondaire, ça commence à devenir un petit complexe. Et donc, j'ai réussi à gérer ce complexe-là aussi, à essayer. Je m'en suis beaucoup sorti avec l'humour, je dois dire. Les formes d'autodérision sont souvent quelque chose que les personnes vont utiliser en mode de défense contre un complexe. Et c'est ça que j'ai fait. Et ça marchait très bien. Et donc, pour le primaire et le secondaire, je dois dire que, ben d'ailleurs, mes parents m'ont encore une fois beaucoup aidé. Quand j'avais des crises, quand j'étais au primaire ou au secondaire, dans le temps que je n'étais pas sur Umira, tu sais, mes parents, ils venaient me reconduire à l'école, puis j'avais une grande confiance, il y avait une grande confiance en moi que je n'allais pas utiliser le fait que j'avais une maladie pour dire que j'avais mal au ventre, que ça ne me tentait pas d'aller à l'école. Et ils m'aidaient vraiment beaucoup. Mon parent allait me reconduire, mes parents, ils étaient là pour moi, ils m'aidaient. Donc, c'est sûr qu'il y a un entourage fort, peut aider, des amis, des parents. Ça aide toujours. Dans mon cas, ça a été beaucoup, beaucoup mes parents dans cette période de ma vie-là, vu que j'étais plus jeune. Et donc, l'autre chose que j'avais mentionné aussi, c'est par exemple des petits trucs que je peux donner. Il ne faut pas avoir peur de parler avec les gens de la maladie. Moi, mes professeurs au secondaire, j'allais toujours les voir au début de l'année. Je leur expliquais la situation. À un moment donné, ça se savait dans l'école. Quand j'étais au primaire, c'était ma mère qui envoyait des mots. Je faisais juste leur dire, regardez, ça arrive pas souvent, puis je ne vais pas le surutiliser. Mais si j'ai besoin d'aller aux toilettes, j'ai une maladie, puis il faut que j'y aille. Donc, puis les professeurs, ils comprennent, sont là. Donc, il faut pas avoir peur d'en parler. C'est sûr qu'il y a des personnes qui sont moins à l'aise d'en parler, puis c'est correct aussi.
Mais si les personnes sont capables de savoir, sans nécessairement que toute l'école le sache, juste les professeurs, parce que si j'ai besoin d'aller aux toilettes, par exemple, il faut que j'y aille. Donc, c'est une bonne. Ça, c'était un des petits trucs que j'avais trouvé. Le passage au cégep a été beaucoup plus smooth, si je peux dire, que le passage au secondaire. J'étais beaucoup moins stressé. Mon école secondaire était assez demandante, je dois dire. Donc, quand je suis passé au cégep, c'était quasiment une plus grande pause que le secondaire. Donc, ça s'est beaucoup mieux passé. Puis déjà que je gérais mieux mon stress, c'était vraiment génial. En fait, j'avais vraiment hâte. Mais le passage au cégep veut aussi dire le passage au système des adultes dans le système de santé. Donc, je suis passé de Sainte-Justine à un autre médecin. Et ce passage-là a été quand même c'est quand même assez bien passé. La période de transition, je suis même pas prêt à dire qu'elle est encore finie. J'ai passé plus que 7 ans, j'ai passé 12 ans, 10 ans, j'ai passé 11 ans avec mon ancien médecin. Donc, c'est sûr que là, ça fait 3 ans. Donc, on apprend encore à se connaître. Puis c'est bien important, sur le moment, d'avoir une très bonne relation avec son médecin, avec son gastro-entérologue. Moi, j'ai pas besoin nécessairement de diététicienne, vu que ma mère est nutritionniste. Donc, si j'ai besoin de conseils, je préfère aller la voir. Mais si vous en avez besoin, vous pouvez aller aussi vers les professionnels. Donc, c'est sûr que c'est un passage qui doit se faire éventuellement, mais j'ai quand même été chanceux. Je ne sais pas si c'est le même pour tout le monde, mais j'ai quand même été bien outillé pour faire le passage. Mon médecin de Sainte-Justine m'a beaucoup aidé à passer, m'a trouvé un très bon médecin aussi, qu'elle avait confiance. Donc, ça s'est quand même assez bien passé. À l'université, c'est encore sous contrôle. Très peu d'épisodes. Ça m'est déjà arrivé. Il y a des nouveaux aspects à gérer. J'ai mis l'alcool, par exemple. Il pourrait avoir aussi le stress plus élevé des études universitaires. Donc, oui, ça va arriver éventuellement. Tout le monde réagit très différemment. Et c'est surtout ça que je veux dire par rester à l'affût des signes. Autant le stress qu'avec les aliments qu'on va consommer. Donc, il faut être capable de s'écouter. Donc, et ça, je pense que c'est dans qu'est-ce que je vais dire par la suite. Mais il faut être capable de bien s'écouter. Ouais, je vais aller au résumé tout de suite. Donc, il faut être capable de bien s'écouter, d'apprendre à se connaître soi-même avec le temps. C'est pas grave de faire des erreurs. On fait des erreurs au niveau nutritionnel, on va dire. Moi, j'ai de la misère. Tantôt, on a vu avec Sydney que les aliments, c'est pas tout le monde. Il n'y a pas une charte qui dit que tu n'as pas le droit de manger ces aliments-là. Moi, par exemple, j'ai de la misère avec le chou. C'est peut-être pas tout le monde qui a de la misère avec le chou. J'ai de la misère avec certaines fibres, mais c'est peut-être pas tout le monde qui a de la misère avec certaines fibres. Donc, il faut vraiment être capable de s'écouter. Faire des erreurs, c'est pas grave. Si tu as mal au ventre le lendemain, pense à qu'est-ce que tu as mangé la veille et essaye d'avoir des trucs. C'est quelque chose de normal que tout le monde fait, je pense, un petit peu à la longue, mais c'est vraiment être à l'écoute de soi-même. Et quand il y a des obstacles ou des imprévus, essayer de gérer le mieux qu'on peut, du mieux possible. Je pense que j'ai pas mal tout dit pour la ligne du temps. Donc, ah oui, donc la gestion scolarité maladie, j'en ai parlé au primaire, comment je fonctionnais avec mes professeurs et tout. Donc, c'est sûr qu'il faut trouver des petits trucs aussi. Puis, il y a des personnes, c'est sûr, qui vont être plus atteintes que moi, qui vont devoir aller aux toilettes plus souvent. Donc, sinon encore, il va falloir parler avec l'institution ou quoi que ce soit pour essayer de voir quoi faire. Les principales problématiques, donc j'en ai deux, il y a la nourriture et le stress. Donc la nourriture, je viens juste d'en parler, je vais pas tant me répéter vu que j'ai plus beaucoup de temps. Mais tout le monde est différent, il n'y a pas de solution unique. Et faire des erreurs, c'est correct, mais il faut apprendre de ses erreurs. Donc c'est revenu souvent puisque la nourriture, évidemment, est un aspect absolument important. Tantôt, on a vu plein de régimes qui peuvent être faits ou de diètes. Moi, j'ai personnellement jamais suivi de diète temps précise. Je vais vraiment avec le cas par cas. Donc ça, c'est la méthode qui a fonctionné pour moi. S'il y a une diète que vous voulez essayer qui fonctionne bien pour vous, ben, gardez-la. C'est toujours une question de voir qu'est-ce qui est bon ou moins bon avec soi-même et de qu'est-ce qu'on est capable de manger. Pour le stress, c'est vraiment très lié à la maladie. Des personnes que je connais pas tant de monde qui ont la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse, mais des personnes que je connais la plupart du temps, c'est quand même assez relié. Faut encore une fois trouver ce qui fonctionne pour nous. Et quelque chose que j'ai pas assez mentionné depuis le début de ma présentation, c'est de pas hésiter d'aller consulter des professionnels. Aller consulter des psychologues si on a besoin d'aller consulter des psychologues. C'est pas parce qu'on est. Aller voir un psychologue, c'est pas parce qu'on est un malade mental. Aller avoir un psychologue, c'est normal. Puis, si c'est ça que tu as besoin, ils sont là pour vous aider. S'il faut aller voir,
je sais pas, aller rencontrer des personnes. Là, je dis pas, là en ce moment, je parle du stress, donc c'est pour ça que j'ai mentionné les psychologues, mais il ne faut pas hésiter d'aller parler à nos nutritionnistes, aller parler à nos médecins, avoir une bonne relation avec les professionnels et les écouter. Et les points importants à retenir, donc qu'est-ce qui est revenu, donc, malgré ma présentation qui a été très personnelle, donc toujours garder en tête, toujours, toujours, que tout le monde est différent. Et de bien parler aux professionnels, mais surtout, une autre chose que je mentionne maintenant à la fin, participer activement au processus de décision. Donc, mon médecin fonctionne bien comme ça ici, fonctionne comme ça et j'aime bien ça. Donc, il faut être capable de, tout en les écoutant, parce que les professionnels connaissent plus de choses que nous, il faut l'accepter, mais aussi être capable de dire si on est moins à l'aise avec un traitement ou un autre, c'est pas grave. S'il y a une diète qu'on a essayée et que finalement on n'est pas capable de la tenir parce qu'elle est trop restrictive, c'est pas grave. Simplement, il faut en parler, il faut avoir une bonne communication avec eux. La communication, c'est la clé ici. Donc, je pense que c'est ce qui met fin à ma présentation. Donc, je passe la parole, je crois, à Sarah Jane pour les questions. Merci à tous. Merci Sidney et Alexandre pour vos exposés réfléchis et instructifs. Donc maintenant, on va passer à la période des questions. Donc pour les questions, en fait, je vais les lire, puis Sidney, tu pourras commencer à répondre, puis Alexandre pourra renchérir si tu en ressens le besoin. Donc la première question, comment gérer son poids lors d'une poussée? Est-ce que vous pouvez faire la question encore? Excuse-moi, je n'écoute pas. Oui, la première question, c'est comment gérer son poids lors d'une poussée? Ah, OK. Qu'est-ce que c'est les sources alimentaires qui sont bien pour ça? Je pense. Alors, si je avec la question, les choses qui sont bien pour augmenter les poids, c'est les choses qui contiennent beaucoup de calories, comme les avocats, le beurre d'arachide, aussi les beurres de noix, les graines, les noix entières. Aussi, vous pouvez ajouter de l'huile ou du beurre avec du riz ou les patates ou les légumes qui sont cuits. Est-ce que c'est... Parfait. Ouais. Moi, je pense que ça répond bien. Alexandre, tu voulais tout renchérir ou. Non, justement, moi, je pense pas que j'ai quelque chose à dire là-dessus. Parfait. Prochaine question. Est-ce que certains aliments ont plus d'impact sur l'inflammation? Est-ce qu'il y a des études sur certains régimes comme FODMAP sur le contrôle des symptômes de la maladie de Crohn? OK. Alors, il n'y a pas une diète qui est spécifique pour réduire l'inflammation, mais il y a les. Les nutriments qui sont bien pour réduire l'inflammation, ça c'est comme les oméga 3, ça c'est les truites, le saumon, l'huile d'olive, ça contient beaucoup d'oméga 3, ça peut réduire l'inflammation. Et avec le FODMAP c'est une diète qui est spécifique avec les symptômes IBS, c'est pas pour les maladies inflammatoires de l'intestin. Alors, avec le FODMAP approach, ça c'est une chose pour diminuer les symptômes. C'est pas pour diminuer l'inflammation, mais peut-être avec le IBS, c'est juste. Oui, c'est pas une diète qui diminue l'inflammation. Alors, c'est pas mon recommandation avec cette. Cette approach ou cette diète. Moi, ça, je rajouterais aussi pour la partie plus personnelle que premièrement, si avant de commencer un régime ou une diète, vraiment aller consulter une diététicienne, c'est super important. Puis ça, ma mère qui est diététicienne me le rappelait souvent. Il faut pas partir ça n'importe comment. Puis comme j'ai dit, ça peut être très différent d'une personne à l'autre. Comme j'ai pour les avec les personnes avec qui j'ai parlé, les aliments changent énormément. Là. Il y a des choses qui sont vraiment un très gros non pour moi, puis que pour d'autres personnes, c'est tout à fait correct de pouvoir en manger beaucoup. Puis ça peut changer aussi au cours de l'évolution de la maladie. Il y a un moment donné, je me rappelle, j'avais de la misère avec l'acidité. J'aimais beaucoup manger des tomates, mais j'ai dû arrêter de manger des tomates parce que c'était très acide. Donc, il faut, bien, à un moment donné, j'ai commencé à réessayer d'en manger, puis ça marchait bien. Donc, c'est vraiment aussi beaucoup, surtout à l'écoute. Il faut arrêter. Selon moi, d'acide, c'est vraiment fâchant, mais il n'y a pas de solution unique et de vraiment être à l'écoute de soi. Parfait, super.
Puis, prochaine question, comment un régime peut-il aider à faire face à la fatigue? Est-ce que vous pouvez dire ça encore, s'il vous plaît? Oui, comment un régime peut-il aider à faire face à la fatigue? OK. Alors, je ne comprends pas toutes les choses que vous avez dites, mais est-ce que c'est pour la question, est-ce que ça c'est juste à. Encore, excuse-moi, peut-être un peu lentement pour moi parce que je suis premièrement anglophone. Excuse. Ben, en fait, la question, c'est comment un régime alimentaire peut aider à diminuer la fatigue, en fait, c'est pour être moins Oh, fatigué. la fatigue. Oh oui, excuse-moi. OK. Excuse-moi. OK. Alors, l'alimentation, peut-être la raison une personne va être fatiguée, c'est parce qu'ils n'ont pas les calories qui est besoin pour nourrir, pour nourrissement. Alors, si vous pensez que tu n'as pas beaucoup d'énergie, une consultation avec un diététicien qui est important parce que peut-être c'est nécessaire pour manger un peu plus, pour prendre plusieurs d'énergie. Aussi, les aliments qui contiennent du fer, c'est important pour les cellules du sang. Alors, peut-être vous avez une prise de sang avec un résultat et le fer qui c'est en bas. Alors, c'est nécessaire de manger des choses qui contiennent plusieurs de fer, comme les produits animaux, la viande, le poulet, les poissons. Ça, c'est une bonne source de fer qui contiennent du fer heme. Ça, c'est le. La façon de fer qui est bien pour l'absorption. Il y a aussi le fer qui est trouvé dans les sources de plantes comme les légumineuses, tofu, les fruits séchés. Ça, c'est une bonne source de fer aussi. Et le fer va aider avec l'amélioration de la fatigue. Moi, j'ai rien à ajouter. Parfait, super. Puis, une autre question pour toi, plus Sydney, là, c'est comment trouvez-vous vos carences nutritionnelles? Fait que, tu sais, comment tu fais pour détecter que tu as des carences? Est-ce que c'est la chose que j'ai vu souvent dans mon clinique? Alors, dans la clinique, j'ai vu très souvent que les personnes avec les maladies ont les carences à vitamine B12. Ça, c'est une chose qui se passe très souvent avec les patients avec la maladie de la Crohn, parce que le site d'absorption de l'intestin petit, peut-être il y a la douleur ou l'inflammation ou une blessure là, et ça, c'est la place que la vitamine B12 s'est absorbée. Alors, c'est nécessaire de prendre un supplément à B12 dans ce cas. Alors, dans mon clinique à Sainte-Geneviève, j'ai prendre la prise de sang pour tous mes patients une fois par année pour assurer qu'ils n'ont pas les problèmes nutritionnels ou les déficiences. Alors, B12, c'est B12, excuse-moi, c'est l'une des choses que j'ai fait mon évaluation. Les autres carences qui sont souvent, c'est vitamine D parce que souvent les personnes ne boivent pas beaucoup de sources de vitamine D dans la diète et le soleil, c'est dans l'hiver dans le Canada qui est très long, peut-être c'est 6 à 8 mois par année. Alors, c'est pas une chose pour prendre de la vitamine D en plus. Alors, ça, c'est une chose que nous trouvons très souvent et c'est nécessaire de prendre un supplément de vitamine D. Ça dépend le niveau de vitamine D dans le sang. Ça direct qu'est-ce que c'est le dosage de le supplément. Et après ça, une vitamine qui est complète, qui contient les vitamines et les minéraux, c'est très important pour couvrir peut-être les autres choses nutritionnelles. Mais les choses qui se passent très souvent, c'est la vitamine B12 et aussi la vitamine D. Ça, c'est la carence. Super. Puis là, il y a quelqu'un dans le fond qui écrit, quelle est la gravité de ne pas pouvoir manger énormément d'aliments à long terme? Comment parer à cela? Surtout si je mange, en fait, surtout si je ne mange pas de poisson et presque pas de fruits et légumes.
OK. Alors, si une personne mange pas une diète qui est très complète, peut-être il y a les problèmes, excuse-moi, nutritionnels qui se passent. Ça dépend de la diète de la personne. Ça, alors, c'est individuel. Si une personne mange pas les produits d'animaux comme les viandes, poulets, poissons, dans le long terme, il va venir une déficience, une carence de vitamine B12. Si les personnes ne mangent pas les fruits et les légumes, les fruits et les légumes, ça c'est une bonne source de vitamines et minéraux. Alors, ça dépend quelle sorte de vitamines et minéraux, excuse-moi, ça dépend quelle sorte de légumes ou fruits ils ne mangent pas. Mais avec les fruits et les légumes, ça c'est beaucoup de bonne source de fibres, ça c'est une bonne source de les vitamines B et aussi vitamine C, c'est très bien pour l'immunité et bon, c'est très important pour le métabolisme. Alors, si une personne ne mange pas ça, c'est un cas spécifique pour une évaluation d'une diététicienne. Mais, I mean, alors, c'est très important pour manger une diète qui est très balancée. Parfait, super. Puis, je vais y aller avec une dernière question avant qu'on termine le webinaire de ce soir. Ça s'adresse peut-être bien à toi, Alexandre, là, tu verras si tu peux y répondre. Mon médecin minimise l'importance de l'alimentation, mais c'est essentiel pour moi. Je ne pense pas pouvoir discuter des choses avec lui car il ne reconnaît pas le rôle important de l'alimentation. Comment puis-je mieux exprimer ses préoccupations? Est-ce que je réponds en premier? Ou... Oui, c'est bon. Oui. OK. Ben, vraiment, ça serait. Moi, j'irais. Ben, tout d'abord, je ne connais pas la situation complète, fait que je ne peux pas dire à quel point la personne a essayé de communiquer avec le médecin, mais je trouve ça quand même bizarre de dire que l'alimentation n'est pas importante dans la maladie de Crohn. L'alimentation n'est pas la cause de la maladie de Crohn, mais l'alimentation a un impact super important dans la maladie. Donc, faut être ouvert à qu'est-ce que faut toujours être ouvert à qu'est-ce que le médecin dit, ça il n'y a aucun doute. On part avec la prémisse que le médecin a raison. Ensuite, mais là si après plusieurs rappels d'ici, c'est vraiment important pour vous d'aller voir, par exemple que l'alimentation est importante et que vous trouvez que votre médecin n'a pas de met pas assez d'emphase là-dessus. Ben là, c'est peut-être aller se renseigner avec, ben, par exemple, une diététiste. Donc, si vous êtes capable d'aller voir un nutritionniste, moi, je m'en rappelle quand j'étais à Sainte-Justine, quand j'étais jeune, j'allais voir les deux. Donc, j'allais voir mon médecin en premier, ma diététiste par la suite. Donc, c'est sûr que peut-être que dans ce cas-là, si ça n'a pas déjà été fait, d'aller voir une diététiste. Et si votre médecin ne vous écoute pas, ça existe des professionnels qui sont simplement pas faits pour nous. C'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est dommage, mais je veux dire, c'est pas tous les professionnels qui vont être faits pour tout le monde. Donc, dans ce cas-là, si c'est possible d'essayer de voir pour d'autres professionnels, de le mentionner à quelqu'un, je sais pas s'il y aurait quelqu'un à qui le mentionner dans la hiérarchie de l'hôpital ou quoi que ce soit. Je connais pas ça tant que ça, peut-être que Sydney en connaît plus, mais c'est sûr que si votre médecin ne vous écoute pas en permanence après plusieurs fois à essai de communication, fois âgé. Mais aller voir une diététiste dans ce cas-là, selon moi, serait la meilleure option. Oui, beaucoup de l'hôpital, il y a une diététicienne qui est disponible. Avec moi, c'était une partie de mon équipe. Je suis disponible avec le médecin chaque fois le patient a un rendez-vous. Et peut-être ça, c'est une chose pour discuter avec le médecin si c'est possible d'avoir un rendez-vous avec le diététicien qui n'est pas une chose qui est présentée. Et aussi, à ce point, vous avez l'information, cette présentation, l'information pour le médecin, juste pour dire que c'est très important pour avoir une évaluation. L'alimentation et le rôle de l'alimentation, c'est très important. Alors, oui, c'est important pour faire... avoir une voix avec le médecin, juste pour dire est-ce que c'est possible. Oui. Merci, super. Ça répond super bien aux questions. Donc, merci beaucoup, Sydney et Alexandre, pour vos exposés, puis d'avoir partagé votre expertise aujourd'hui, d'avoir bien répondu aux questions aussi. C'est sûr que là, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions. On n'a pas le temps de toutes y répondre, mais par la suite, la vidéo va être en ligne sur Facebook. On devrait pouvoir répondre aux gens individuellement.
Donc, je voudrais également remercier les téléspectateurs pour toutes les questions, l'intérêt que vous avez montré pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc, on approche de la fin. Je voudrais tirer profit en fait de l'occasion pour informer tout le monde que nous tiendrons au courant après le webinaire par courrier électronique afin d'obtenir vos réactions et suggestions éventuelles pour les futurs programmes d'éducation et autres. Donc, on veut avoir vraiment vos avis sur les sujets que vous aimeriez qu'on parle éventuellement aussi. Puis, nous vous enverrons également un lien vers un enregistrement du webinaire de ce soir. Donc, vous allez pouvoir le visualiser prochainement. Puis, restez à l'écoute pour les prochains événements de formation en ligne en 2018 et 2019. Pour plus d'informations, vous pouvez toujours consulter le site web et les pages de médias sociaux. Puis pour finir, en fait, on vous invite à faire plus de découvertes et de percées possibles. Donc, depuis 24 ans, Gutsy Walk a collecté plus de 38 millions de dollars pour la recherche, la défense des droits et les programmes pour les patients. Nous aimerions que vous en fassiez partie. Avec votre soutien, les cures pour les MII ne sont que quelques pas. Inscrivez-vous maintenant à gutsywalk.ca et rejoignez-nous le dimanche 2 juin à un endroit près de chez vous. Donc, ça, en fait, c'est les marches qui ont lieu toujours le premier dimanche de juin à chaque année. Donc, cette année, dimanche 2 juin, joignez-vous à nous. Puis, merci à tous de vous être joints à nous ce soir et de poser des questions très réfléchies, très importantes. Je tiens tout particulièrement à remercier nos conférenciers de ce soir, Sidney et Alexandre. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, malgré votre emploi du temps chargé, de partager votre expertise avec nous tous. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à learn@commercial-crown-and-politis.ca. Puis, il va nous faire plaisir de vous contacter directement pour répondre à vos questions. Ceci conclut le webinaire de ce soir. Donc, merci encore de votre participation et passez une belle soirée.